Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous et toutes. Je suis Morla Issila, l'enfant de Kanya, avocat international de son excellence. Et là, je suis Mamadou Sellou Dalen Diallo. Je suis là encore pour vous parler d'autres sujets. Mais ce sujet, surtout ce sujet-là, est très très important. Après ma vidéo, là, vous allez suivre une autre vidéo qui arrive où Alpha Condé a recruté 95% de ces recrues, de ces nouveaux soldats, de ces nouveaux militaires qui ont été formés à Kindia, au camp Samoria, sont tous malinqués. Ils sont tous malinqués. Quand je vous dis c'est le pouvoir malinqué, d'autres disent que je suis un ethno. Je ne suis pas ethno, mais il faut accepter de dire la vérité telle qu'elle est. L'exemple est que, si vous voyez après ma vidéo, la vidéo qui arrive, vous allez voir tous les intervenants, tous les hauts gradés, tous les hauts gradés de l'armée, l'armée de terre, l'armée de l'air, tout, ils sont tous malinqués. C'est les Koulibaly, c'est les Djané, c'est les Zine, c'est quoi? Donc, ces jeunes que vous allez voir, ces hommes que vous allez voir, ces nouveaux soldats que vous allez voir, ils sont tous malinqués. 99%, même pas 15%, ils sont tous malinqués. C'est pour dire que c'est pour conserver le pouvoir dans la main des malinqués. C'est ça, leur objectif. Ils vont lancer pour dire oui, il y a le recrutement. Vous pensez qu'ils vont recruter un sousou ici? Vous pensez qu'ils vont recruter un peu? Vous pensez qu'ils vont recruter comme ça un forestier? Ce recrutement ou ces recrutements qui se passent dans l'armée guinéenne, si tu es Condé, tu es Traoré, je ne sais même pas comment je peux dire ça. On te recrute automatiquement. C'est les jeunes malinqués. Et puis en les formant, on les dit, nous préparons votre avenir pour que la communauté malinquée puisse garder le pouvoir. Les malinqués, les Konyanki, les Konyangi, pour conserver le pouvoir. Pour conserver le pouvoir. Vous allez dire maintenant que l'armée guinéenne est républicaine. On n'a pas une armée républicaine. Après cette vidéo, vous allez suivre la vidéo qui arrive. L'exemple est que tous les intervenants qui parlent, vous n'allez jamais voir un Silla là-bas, un Camara, un Diallo, un Ba, un Onivogi. Tous les responsables, ces hauts gradés de l'armée, ils sont tous malinqués. C'est Kaba, c'est Traoré, c'est Djané, c'est Koné, c'est Koulibaly. Ils sont tous malinqués. Et maintenant, le peuple de Guinée va rester dans ce sens que le pouvoir malinqué. Donc, le peuple de Guinée doit se réveiller. Et comment se réveiller? On a besoin d'une insurrection populaire. Vous avez vu, quand Dadis est venu, qu'est-ce qu'il faisait? Le pouvoir, tac, c'est parti. Tous ces 1700 hommes que Dadis avait préparés, Alpha Condé les a jetés dans la poubelle pour dire que c'est les forestiers, c'est les Thomas, c'est les Guerzi, c'est les ceci, c'est là. Et maintenant, ils recrutent que les malinqués. Tous ces jeunes que vous voyez là, ce sont les malinqués que pour garder l'intégrité territoriale de la Guinée, pour protéger contre, bon, en tout cas pour protéger la Guinée. Quelle Guinée? Ça, c'est pour conserver le pouvoir malinqué. C'est moi qui vous dis ça. C'est que les malinqués qui sont là-bas. Je suis les Kindia. Je passais tout le temps au camp Samoria là-bas, derrière là-bas, vers Khaliakor, derrière vers Samoria là-bas. On cultivait là-bas. Je connais là-bas, je connais Kindia très bien. C'est que les malinqués, les Condé, les Sano, les Koulibaly, les Traoré, les jeunes des Kankan qui ont suivi cette formation dans la première région militaire de la Guinée, Kindia. Donc, c'est à vous de voir, peuple de Guinée. C'est à vous de décider. Après, ils vont dire que c'est la Guinée, c'est la Guinée. Mais c'est une seule communauté qui est là. C'est que les malinqués. Il faut qu'on accepte de dire la vérité. Kassourou Fofana, il a été complètement limogé quand on a fait de bruit pour dire ouais, c'est le pouvoir malinqué. Parce que nous sommes suivis par ce dictateur et son clan. Nous sommes suivis, très très suivis. S'il disait Kassourou est revenu, où sont les perroquets de l'IFDG, où sont ceci, cela, où sont les communicants de l'IFDG, de l'opposition, où sont les activistes guinéens. Nous savons la lettre de démission de Kassourou Fofana, il a présenté avant même, il était même limogé. C'est à travers des tracasseries, causeries pour dire non, tu ne vas pas partir, il faut revenir, on sait. On va voir si Kassourou Fofana va durer là-bas.
Donc, je n'ai pas de temps, c'est pourquoi je ne fais pas de vidéo en direct directement. Mais voilà, j'enregistre parce que voilà, le travail compte beaucoup pour moi. Et le travail politique, le travail voilà, pour gagner ma vie quotidienne, tout ça. Donc, c'est dommage. Suivez s'il vous plaît cette vidéo que vous allez voir. Le pouvoir malinké, l'armée guinéenne est manicamisée. J'ai une famille malinké et j'adore tellement cette famille, seul Dieu sait. Mais il faut qu'on accepte de dire la vérité. Il faut qu'on accepte de dire la vérité. C'est ça la vérité. C'est ça. Moi, je m'en vais. Suivez s'il vous plaît cette vidéo. Composé de 204 militaires, dont 10 filles, cette sixième promotion est un produit 100% guinéen, entièrement encadré et formé par des formateurs guinéens au camp Samoréa de Kindia, première région militaire. Ces jeunes commandos sont désormais opérationnels. Après 10 mois de dures épreuves, ils reçoivent leurs diplômes et brevets commandos au bataillon spécial des commandos en attente, BSCA. C'est le lieu pour moi de saluer le professionnalisme de l'ensemble des formateurs pour la réussite de cette formation qui n'a rien envié aux promotions précédentes formées par les experts chinois. Cette sixième promotion revêt une dimension particulière dans le cadre de la montée en puissance de notre armée. La formation qui vient de se terminer est une formation basique. Le chemin à parcourir est encore long. Au cours de leur cérémonie de fin de stage ce mardi, ces soldats spécialisés dans le combat corps à corps, la protection des hautes personnalités et autres techniques de combat ont émerveillé l'assistance à travers les séances de démonstration. La dite promotion a été baptisée par la hiérarchie qui a mis l'occasion à profit pour rappeler quelques nobles missions de notre armée avant de transmettre le message des autorités à la troupe. La mission de l'armée guinéenne, c'est de protéger les frontières, protéger la population avec ses biens. Au nom du président de la République, commandant en chef des forces armées, votre promotion s'appellera désormais promotion colonel Mamadi Kwande, ancien commandant du bataillon spécial des commandos en attente. Monsieur le ministre d'État m'a chargé de vous demander à tous de redoubler de vigilance afin de sauvegarder jalousement les précieux acquis obtenus au prix de tant de sacrifice, d'intensifier la coopération et la mutualisation des moyens, car sans sécurité, il n'y a pas de développement. Au regard des résultats probants engrangés par la réforme du secteur de sécurité dans son volet formation, force est de reconnaître que de nos jours, l'armée guinéenne est un bon exemple.